touch me like I'm an ordinary man. Have a look in my eyes. Underneath my skin there is a violence. It's got a gun in its hands. Ready to make sense of anyone, anything, anyone, anything. Salut à tous, aujourd'hui on va parler de Cyberpunk 2077. C'est un jeu développé par CD Projekt qui a débuté en 2012. Donc c'est un jeu qui va sortir sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Alors, on va tout de suite commencer avec sa personnalisation. Donc la personnalisation de votre personnage sera gigantesque. On pourra avoir des yeux à vision thermique, donc... C'est-à-dire que ça ne va pas s'arrêter que sur le changement de cheveux, changement de barbe ou changement de visage. Non, ça va être beaucoup plus... Ça va se faire beaucoup plus loin. Donc on pourra avoir une vision thermique, une vision infrarouge. On pourra avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, bien évidemment... Toute personnalisation n'aura pas qu'un impact cosmétique, mais cela permettra aussi d'avoir des avantages in-game, mais aussi des désavantages. Donc en gros, si par exemple on choisit une vision thermique, on aura des avantages, mais aussi des désavantages. Vous aurez aussi plein de choix qui auront un impact sur votre histoire. Donc je m'explique. Par exemple, on aura plusieurs choix de... C'est pas un jeu linéaire en fait. Si vous me comprenez bien, ce n'est pas un jeu linéaire ou que c'est qu'il y a juste une histoire. Non, on pourra choisir notre histoire. On pourra choisir comment on va dérouler notre histoire. Donc ça, c'est beaucoup mieux. Pour écrire celle-ci, vous pourrez incarner trois classes différentes. Alors, il y a trois classes, la classe solo, la classe netrunner et la classe techie. Donc il y a trois classes pour l'instant et aussi on va découvrir d'autres classes au fur et à mesure du jeu. Mais ça, c'est les trois classes principales dont on pourra jouer ou choisir dès le début du jeu. Vous pourrez également utiliser plusieurs drogues. Donc oui, le jeu est sur une base où c'est que on peut avoir des drogues. Donc bien évidemment, il est interdit au moins de 18 ans. Et heureusement, j'ai envie de vous dire, parce que sinon, il aurait été bloqué dans plusieurs régions, voire même pays. Donc, la drogue possède différentes formes. Dans cet univers, où les classes les plus pauvres tentent d'échapper à la réalité. Il y a une drogue qui est intéressante et assez particulière, elle s'appelle la Brain Dance. C'est une drogue qui est
une sorte de réalité virtuelle du futur boosté où vous pouvez regarder des enregistrements et vivre l'action comme si vous y étiez. En vous branchant bien évidemment un BD Players, c'est comme ça qu'ils y appellent, c'est le microprocesseur qui sera branché directement sur votre cerveau dans le jeu pour avoir cette drogue, enfin pour pouvoir voir les enregistrements et se croire comme si qu'on y était. Alors, il est possible avec l'utilisation de drogue d'avoir plus de charisme et de cool. Et chaque drogue ont toutes des effets secondaires. Comme vous savez tous, c'est comme dans la vraie vie, les drogues ont des effets secondaires. Ça, c'est obligé et puis c'est normal. Et heureusement, parce que ça serait vraiment trop cheaté. Alors, cette fois-ci, pour les missions, il y aura des multiples possibilités de les terminer. Et forcément, ça aura un impact sur votre histoire. Donc, je m'explique. En gros, on aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités de choix, de filières. C'est comme des filières pour vous transporter dans les parties, en gros, dans les missions, dans les parties. Donc, ça aura un impact. C'est comme, c'est pas un jeu linéaire où c'est que c'est tout le temps la même mission. Enfin, faut suivre telle mission pour finir le jeu. Non, on aura des choix à faire, des choix précis que vous pourrez choisir par votre côté. Donc, autre petit détail qu'ils nous ont fourni, on n'aura pas de game over, à part la mort. Donc, je m'explique. Si, par exemple, on est en mission et puis qu'on doit surveiller un gars qui ne doit pas se faire tuer et qui se fait tuer. Parce qu'on l'a mal surveillé ou on s'est barré, on s'en fout, enfin. Bref, il s'est fait tuer. Et ben en gros, la mission ne recommencera pas. Ça n'arrêterait pas le jeu. Cette personne, elle est morte, elle est morte. En gros, c'est comme ça, c'est tant pis quoi. Donc ça, c'est une très bonne chose, je trouve. Car comme ça évite les rageux qui arrivent pas à une mission. Merde, fais chier, j'ai pas réussi, il faut que je recommence 150 fois. Non. Si par exemple vous n'arrivez pas à cette mission, c'est pas grave. Il y aura d'autres missions, mais ça aura un impact sur votre fin de jeu, comme je l'ai dit depuis le début. Alors, en gros, si vous échouez une mission, bah en gros, bah c'est pas grave, vous pouvez recommencer une autre mission ou la recommencer si vous voulez. Alors maintenant, à l'E3 2019, donc en juin, j'espère qu'on aura des surprises sur le jeu, comme des nouvelles informations, des nouveaux gameplay et peut-être sa date. Je dis bien peut-être car on ne sait pas encore la date de sortie de ce jeu, mais il y a des petites informations qui pourraient nous dire que c'est peut-être fin 2019, voire début 2020. On a une grosse information, le premier Cyberpunk, il a été fait en 1988 et il s'appelait Cyberpunk 2020. Est-ce que c'est un signe? On ne sait pas. Mais à mon avis, il va pas sortir en juin 2020 car il va pas refaire encore un E3. À mon avis, moi pour moi, il va sortir fin 2019, début 2020. Et j'espère. J'en ai maintenant fini de vous dire les explications les plus importantes de ce jeu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si ce n'est pas déjà fait. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.